refuse de se libérer. Comment voulez-vous entamer la longue marche vers le réveil dans des conditions pareilles? Sans doute, notre rêveur est-il endormi depuis trop longtemps? La voilà, sa prison. Il confond le monde qui l'entoure avec les signes projetés sur le fond de son esprit. Les signes de quoi? Du réveil? Tout ce qu'il perçoit en réalité, ce sont les barreaux de sa prison. C'est à nous de lui inspirer plus de beauté, plus d'espoir, plus de joie. C'est ça, c'est ça. Plus de beauté, gna gna gna. Comme ça, plutôt que de rêver qu'il souffre, il va goûter à la félicité suprême ou je ne sais quoi. Et nous ne sommes pas prêts de le tirer de son somme. Il va y prendre goût. J'ai ma petite idée, mes amis. Toi, ma sœur, tu vas nous aider. Nous devons pousser son sommeil jusqu'à l'absurde, jusqu'au cauchemar. Et nous, œuvrez comme vous l'avez dit. Remplissez ses songes d'art, de beauté et de merveilleux. Nous nous occupons du reste.